Saveur anglophone. Vos titres anglais traduits en français. Tournez à droite, au rond-point, prenez la troisième sortie. Je suis Martha, votre GPS. Mais il marche pas ce GPS. Bon, tant pis, on verra plus tard. Aujourd'hui, on prend la route avec Jonathan Tulin, Compass. Allons-y. Je dérive, une centaine de millions de pensées qui sont consacrées à la mauvaise chose. Ma connexion, une centaine de millions de miles dans la mauvaise direction. Visiblement, on est un petit peu désorienté. En plus, il compte en miles. Ça fait combien 100 millions de miles en kilomètres? Je sais pas, mais en tout cas, c'est bien assez pour se perdre. Bref, il paraît que tous les chemins mènent à Rome, alors poursuivons. Des étoiles à perte de vue et l'espace à l'infini, les flèches pointent de partout, je suis un aéronaute. Navigation perdue. Connexion GPS perdue. Normal, en même temps, on est au milieu de l'espace. Je marche dans l'univers, j'aurais jamais pensé être celui qui abandonne en premier. Oui, je dois confesser, voici mon SOS. Bon, il a au moins l'honnêteté de reconnaître qu'il est perdu. Faites demi-tour dès que possible. C'est un petit peu dur là, Martha, maintenant qu'on est je ne sais où dans l'espace. D'ailleurs, au-delà de la stratosphère, on apprend des nouveaux mots. Écoutez les paroles du deuxième couplet. Hacer un cambio de sentido, tan bro... Ah non, pardon, ça c'est pas ça, c'est le GPS qui sait plus où il habite. Écoutez. Je l'ai fait, j'ai terraformé mon propre sens de ce qu'est la vérité. Alors là, on est presque dans la philosophie métaphysique, psycho-cosomatique, bref. La terraformation, c'est une science qui étudie la transformation de l'environnement sur une autre planète pour la rendre habitable, comme sur la Terre. On peut comprendre dans cette phrase qu'il a essayé de transformer la vérité. Il ajoute ensuite, comme un trou noir qui absorbe tout à l'intérieur de son âme noire. Et voici le refrain. Je suis, je sais que tu es mon repère, même si je l'ai perdu, je te cherche comme une boussole. Boussole. Bah quoi, c'est ce qu'il dit. Compass, ça peut aussi se traduire par un compas, tout simplement. C'est l'image ici d'un compas qui tourne autour du centre. Tant que le centre est bien ancré, on ne risque pas de déraper. Le chanteur exprime le fait qu'il a besoin de Dieu comme un compas, comme une boussole pour le diriger. C'est ça le thème de la chanson. Allez, en bonus, je vous traduis même ça. Et ve tre fria. Bon, excusez-moi pour l'accent, ça veut dire 1, 2, 3, 4 en suédois, puisque Jonathan Tulin, même s'il vit aux États-Unis, il est suédois. Voilà pour les paroles du morceau. Dans la version longue, il y a aussi un featuring de Manuel Reyes de Group One Crew, mais je vais pas vous le traduire parce qu'on a déjà perdu pas mal de temps à cause du GPS. Bien, Lendel. Oula, qu'est-ce qui se passe? Et voilà Martha qui parle en suédois. Vous êtes arrivé. Ah, là c'est mieux. C'était Jonathan Tulin, Compass sur Phare FM. 1, 2, 3, 4.